Yo les gamers, les gameuses, c'est Shadow. J'espère que vous allez bien sur la Noy Rage. Et moi ça va super. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve avec un gameplay de Wazy. Et franchement, je vous prends pas, il nous a saoulé pour vraiment passer ce gameplay sur la rage. Il nous demandait tous les jours quand est-ce qu'il passe, quand est-ce qu'il se passe. Alors vous allez me faire plaisir dans les commentaires et les likes. N'hésitez pas à féliciter Wazy pour son gameplay. Voilà, il nous a vraiment saoulé pour le mettre sur la rage. Donc voilà, on lui met enfin son petit gameplay sur la rage. Voilà, il va être content. Commenté par moi-même, c'est Shadow qui vous commente cette petite vidéo. Alors il était sur la map Empire, tout ça donc bien sûr à la KN44 ou bien la coup d'œil, il va switch entre deux armes et peut-être en ramasser d'autres. J'ai pas trop fait attention à ça, ce n'est qu'un détail. Et il était en liaison satellite. Alors je vois tout de suite les gens qui vont nous dire ouais, par rapport au titre de la miniature, le gameplay machin, ça vaut que dalle, c'est en liaison satellite. Alors en fait au niveau du gameplay c'est un 64-0, mais sans les prolongations de la liaison satellite. C'est à dire qu'en fait il va vraiment jouer deux manches, donc enfin jouer les deux manches de la liaison satellite, mais ne va pas jouer les prolongations. Donc c'est quand même un gameplay légit parce qu'il n'y a pas les prolongations etc, ce genre de choses. Donc ça reste un gameplay légit. Et pour un 64-0, donc un perfect de base, et en plus une double nucléaire équivalente, tout ça sur la map Empire, une nouvelle map du DLC 3 de Black Ops 3. Donc voilà, franchement ça fait super plaisir. Et cette map Empire, mais qu'est-ce qu'elle est kiffante. Les graphismes et tout, ils sont hyper beaux. Franchement c'est un kiff de jeu de dessus. Ils l'ont très bien fait. Franchement moi j'avais un petit peu peur, voilà, que le style on va dire un petit peu style romain, qu'on perde certains détails qu'on avait de Black Ops 2, etc. Que la map soit un petit peu déstructurée, ou alors qu'elle soit, qu'on va dire, mise en avant par rapport à Black Ops 3, que voilà, par rapport au jump, etc., ça soit un petit peu favorisé. Mais pas du tout, voilà, on retrouve bien la map de Black Ops 2, seulement avec des graphismes différents, peut-être avec des couloirs plus élargis. Après, voilà, moi j'ai pas encore trop joué dessus, j'ai pas encore téléchargé le DLC 3. Ouais, je sais, on est encore le 26 juillet quand je vous fais le commentaire. J'ai toujours pas téléchargé DS3, mais je suis en vacances. Enfin bref, donc ça c'est une petite aparté. Et puis voilà, donc j'avais aussi quelque chose à vous dire assez important sur la rage. On a sorti pas mal de vidéos, voilà, cet été. Enfin on essaie d'en sortir en tout cas pendant les vacances. Et on voit que voilà, elles sont pas trop regardées, donc n'hésitez pas à les voir. Voilà, franchement, à visiter vite fait de temps en temps. Voilà, de faire un petit check, voilà, sur la chaîne, pour voir les vidéos qu'on a sorties, que vous avez peut-être loupées. Voilà, parce qu'on peut pas vous les rappeler à chaque vidéo. Voilà, je vous mettrai les 5 liens. Attention, on a sorti 5 vidéos qui ont pas trop marché par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Et pourtant c'est des vidéos qui valent le coup. Donc voilà, je vous mettrai le lien des 5 vidéos qu'on a sorties tout simplement cette semaine, enfin la semaine dernière, voilà, donc dans la description si vous voulez aller voir. Franchement, et je vous mettrai le titre etc. Voilà, franchement c'est super intéressant, il y a des vidéos cool, comme on parle d'Infinite Warfare etc, de la map terminale et tout. Il y a plein de choses à aller voir. Franchement, si vous avez loupé, n'hésitez pas à aller les voir, ça nous ferait plaisir pour ceux qui ont loupé. Voilà voilà, donc je pense que j'ai un petit peu tout dit par rapport à ça. C'était le petit aparté, ouais, parce que voilà, on nous a sorti 5 vidéos qui ont pas trop marché. Donc bon, voilà, je vous fais un petit rappel par rapport à ça. Et moi j'aimerais avoir votre avis par rapport au DLC 4, parce qu'il y a déjà des gens qui commencent à en parler, voilà, du DLC 4 de Black Ops 3, savoir un petit peu quels sont les maps qui vont sortir, parce que voilà, c'est vrai que le DLC 3 a un petit peu tardé comparé à d'habitude. Et le DLC 4, bah finalement il va pas tarder à sortir déjà. Ouais, on va déjà avoir des informations là-dessus d'ici pas longtemps. Alors il y a déjà des rumeurs, voilà, qui traînent. Voilà, je vois des gens qui font, je dirais pas quel team, hein, voilà, mais bon, ils vont se reconnaître, qui font déjà des vidéos fake de la possibilité du DLC 4. Enfin bon, nous on va pas faire ce genre de vidéos, ça nous intéresse pas du tout. Mais en tout cas, il y a une team qui a déjà proposé des vidéos là-dessus sur le DLC 4. Sachez que les informations qui sortent pour l'instant sur ces DLC 4 sont fausses, donc faut pas trop y faire attention. Mais voilà, d'ici peu, on aura des réelles informations. N'hésitez pas, voilà, à voir la rage pour ça. Et le DLC 4, bah voilà, forcément il y aura encore peut-être, pourquoi pas, une dernière map remake, étant donné que déjà sur le DLC 2 on a eu Skyjacked, maintenant le DLC 3 on a Empire de la map Red de Black Ops 2. Et bah pour le DLC 4, pourquoi pas une dernière map. Alors beaucoup parlent de la map Standoff, alors n'hésitez pas à me dire vous en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Je vous dis à la prochaine, salut tout le monde, c'était Shadow, bye bye.